Concernant le cache de l'écran, pour cacher les parties qui sont de chaque côté là, je vais utiliser donc ce cache écran que j'ai acheté chez PM88. Mais pour faire la découpe, je vais d'abord faire un guide en carton. Hop là, pour être sûr de ma découpe, ça vient se positionner parfaitement pour cacher les bordures de l'écran. Donc du coup, grâce à ce guide, je vais pouvoir faire la découpe du cache noir. Ensuite, à l'aide d'une règle, je viens tracer des repères au crayon papier. Donc les traces vers l'intérieur, comme ça, ça me laissera un peu de marge. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découper en suivant ces repères. Et voilà. Donc ensuite, pour faire tenir le cache écran, je vais venir coller des petits scotch double face. Hop là. Pas besoin d'en coller beaucoup, hein. Moi, j'en colle deux de chaque côté. Et j'en colle aussi en bas. Et voilà, plus qu'à placer mon cache écran. Et ensuite, il n'y a plus qu'à placer le plexi. Donc on retire la protection plastique. Et voilà. Donc il y a trois petites vis en haut qu'il va falloir venir visser derrière le bar top. Donc je vais retourner le bar top. Donc une là et une là. Je pourrais pas fixer celle du milieu car il y a l'écran qui est juste devant. Donc je vais fixer que celle des côtés. Si j'enlève l'écran pour pouvoir fixer la vis du milieu, ensuite ça va être trop compliqué de réinsérer l'écran. Donc pour tester, je vais fixer que les deux de chaque côté. Et il y a d'ailleurs le petit cache noir qui est par-dessus, mais bon, je vais faire un trou dedans.